Ah, la voilà, votre propre cabine. Capitaine, sur le pont. C'est autre chose que les dortoirs miteux des étages des tavernes. Mais attention, une grande cabine implique de grandes responsabilités. Et si le destin vous sourit, alors vos exploits vous hisseront au rang de véritable légende. Mais avant cela, il reste encore quelques détails qui demandent votre attention. Hé, hey, capitaine, j'ai fait un tour près de la poupe. Devinez quoi ? Zbourafio n'a pas de nom ? Ça porte malheur de naviguer sur un navire sans nom, capitaine. Trouvez-lui vite un sobriquet à cette beauté et je me chargerai de le baptiser. Intéressant. Vous pourriez partager le nom que vous aurez choisi dans les commentaires. Ainsi, chaque marin pourra s'émerveiller devant les noms des navires et des grands capitaines qui les ont précédés. Mais ne tardez pas trop. Le temps se gâte. Vous ne trouvez pas ? Palsambleu ! Du brouillard ! Bordez les huniers ! Vite ! Manœuvrez ! Mais pour ça, il nous faudrait du vent ! Et regarde autour de toi, il est où le vent ? Pourquoi est-ce que personne n'a sonné l'alarme ? Je vous avais dit qu'il fallait garder un œil sur cette brume. Me regarde pas comme ça. C'était Gattaz qui était de quart, hein, mon grand ? Arrête. Bon sang de la mer, Gattaz. À quoi tu joues ? Quoi ? Ah ! Volaille du démon ! Pas de panique ! Je vais t'en débarrasser ! Oh, t'as fait peur à Titit. Titit ? Parce que tu lui as donné un nom à cette chose ? Croyez-moi, ce pigeon, c'était le vicaire des morts et des maudits. Il va en venir d'autres, plus grands, plus monstrueux, avec plus de plumes. Inutile de dramatiser, l'ambigu. C'est sûrement une brume, tout ce qu'il y a de plus normal. Qui se déplace sans vent et avec des oiseaux qui volent sans plumes. On peut faire demi-tour si vous voulez. Parce que tu saurais dire d'où on vient, toi. Bah oui, de derrière. C'est pas si facile, gros bêta. Non, moi je dis, utilisons le peu d'alizés qu'il nous reste pour naviguer droit devant et prier pour sortir de cette purée de pois. Ça serait beaucoup trop dangereux de naviguer à vue dans ces conditions. Restons plutôt ici et attendons. Le brouillard finira bien par s'éloigner. Bon, bah dans ce cas, je vais dresser la table. La table. La table, ouais, pour accueillir le papa de ton piaf quand il reviendra pour nous picorer jusqu'à la moelle. Oh, le papa de Titi ne ferait pas ça. Oh, fureur. Aucune solution ne va nous sortir d'ici par miracle, j'en conviens. On s'en remet à vous, capitaine. Guidez-nous, je vous en prie. Vous voilà dans de beaux draps, aventurier. C'est ce qu'on appelle un dilemme cornélien. Oh, n'attendez pas de moi une quelconque sagesse séculaire. C'est vous le capitaine. Mais n'oubliez pas, vos choix auront des conséquences. Bonnes ou mauvaises, l'avenir le dira.